bienvenue sur NITV. Dans cette vidéo un peu spéciale, nous allons tester le nouveau logiciel qui s'appelle celui-ci, Accurig. Alors pour l'avoir, vous allez sur ActorCore, le site où on peut télécharger des animations, d'accord ? Pour iClone, animation payante avec quelques-unes gratuites. Vous le téléchargez, c'est gratuit, et puis on va le tester. Alors avant de tester, je n'ai pas de personnage prêt à l'emploi, donc je vais créer un personnage en 3D rapidement avec ZBrush, non rigué, parce que c'est le but de ce logiciel, c'est de riguer. Donc comment je vais faire ça, moi? On va essayer de faire un personnage, je sais pas. Vous savez quoi, je vais prendre un modèle à moi, modèle AF mannequin, voilà. Je vais prendre le modèle de mon personnage, ça va me servir d'échelle pour fabriquer un personnage rapidement. On va faire un alien, ouais, bah voilà, un alien pas comme dans le film Alien, on va faire un extraterrestre. Ok, alors j'en étais où? Ça c'est le projet. J'enlève la perspective. Voilà, pop hop, le perso est là. Alors ça c'est les baskets, elles sont finies normalement celles-ci, donc je vais les cacher. Donc je vais juste me servir comme ça, ou comme ça. On va les laisser comme ça. Donc lui je le mets là. D'accord, je vais me servir de ce personnage-là comme d'une échelle, tout simplement. Alors, ajouter, on va ajouter une sphère. Alors une sphère ou un cube? Très bonne question. Là, on va commencer par une sphère. Voilà. Je vais passer en mode transparence. Je vais sélectionner ma sphère. Qu'est-ce qu'on va faire tout de suite pour faire un personnage rapidement? On va renommer en 01. Voilà. On va le transformer tout de suite en géométrie. On va aller dans Dynamesh. Ok, et on va sculpter dessus très vite. On va faire un personnage à la va-vite. Donc ça, on va dire que c'est le corps. Donc je me fie par rapport au corps de ce personnage-là, d'accord? Donc là, je réduis sa taille globalement. Ok, en épaisseur. Je m'aligne par rapport au personnage. Donc je réduis encore sa taille en hauteur. D'accord, un petit peu encore en épaisseur. Hop, en largeur maintenant. Ok, je vais prendre en mode dessin, je prends la move brush, j'augmente la taille, j'appuie sur X, symétrie, j'appuie sur symétrie locale pour être sûr que ça fasse parfaitement symétrique. Et là, ce que je vais faire, je vais tout simplement tirer et donner la forme du corps vite fait. Alors, c'est un personnage vite fait, hein. C'est juste pour tester le logiciel, voir si ça marche. Après, si jamais ça fonctionne bien, vous pourrez l'utiliser pour faire des très beaux personnages avec ZBrush ou Blender, et après les riguer, les faire riguer automatiquement à ça pour qu'ils soient, pour qu'ils fonctionnent avec iClone 8, ça porte un nom. Ah, pour qu'ils soient compatibles, voilà, avec iClone 8. C'est le mot que je cherchais. Donc là, on essaie de faire un petit E.T. extraterrestre. Hop, vite fait. On lui met des fesses ou pas? Ouais, un petit peu. Pas grand chose. Ouais, comme le perso. Voilà, on va écarter un petit peu plus là. Tac. Ah, c'est vraiment du va-vite. Hein. On va utiliser. On va encore tirer. On va faire ça. Je vais essayer de faire ça d'une seule traite. Si j'y arrive. Hop, non, raté. C'est pas grave. Comme ça, on se met vu du dessous. Alors, c'est pas évident, je me mets en saut vite fait, d'accord. Je réduis la taille de ma brosse. Je vais masquer là où il est censé y avoir une jambe. Je vois rien du tout avec le personnage comme ça. Ouais, on va dire que c'est bon. J'inverse le masque. Tac. Je vais me mettre en mode déplacement. Je déverrouille, je centre. Alors, je désactive la symétrie avec X, je recentre, je reverrouille, je réactive symétrie, et là je vais juste descendre les jambes au niveau des genoux,
Déjà, je vais essayer de les écarter par là. Voilà. Ils sont quand même un petit peu écartés. C'est bizarre, celui-là, il m'a l'air de pas être symétrique. C'est bizarre. Bon, c'est pas grave, on fera la symétrie avec un zire-mèche après. Je remets au dessin, j'enlève le masque, je fais ça. Voilà, ça me fait un truc vite fait. Ah oui, il m'a pas mis en symétrie là. Bizarre. On va dire que c'est un peu rétabli. Ouais, je augmente la taille de ma brosse. Je rectifie ça à la main, c'est pas top ça. On va pousser comme ça. On tire plus les fesses. Hop, pousse ça comme ça. On arrive au niveau du genou. Tac, tac, un petit coup de smousse. Et les cuisses un peu plus larges ou pas? Ouais, non, ouais, ça veut dire que ça va. Je déplace. Est-ce que je peux te permettre de tirer ça pour avoir tout de suite une jambe? Bon, ouais. Là, on descend jusqu'aux chevilles. Hop, là, je vais repousser à la main. Je réduis la taille de ma brosse. Je suis bien en symétrie. Ouais, ça m'a fait peur. Comment je peux faire? Ah oui, donc là, je. Alors, déjà, ce que je vais faire, je vais. Voilà. Je vais masquer au niveau du genou ici. J'inverse le masque. J'enlève la symétrie. Je me mets en déplacement. Et là, j'essaie de. Il veut pas. Ah oui, c'est vrai, ça marche pas comme ça. Si j'écarte à la main comme ça. Ouais, vite fait, quoi. C'est pas grave, c'est pas grave. Si ça marche pas, on va faire autrement. Un petit coup de smooth. Je smooth. Merde, je suis pas en symétrie. CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z. Bouge pas. X asymétrie, voilà, on va se mousser en même temps. Je vais bouger ça à la main. Il y a des moyens beaucoup plus faciles hein, de faire, mais là je fais, là c'est vraiment du va-vite. Hein. C'est pour voir déjà en combien de temps on peut faire un corps basique. Un peu plus de mollets, un petit peu plus de tibia, une petite boule sur le genou quand même, ça serait pas mal. Un petit coup de smousse. On rajoutera les détails en dernier. Petit coup de smousse aussi, la cheville un petit peu plus fine. Ok, normalement la meilleure façon ça reste quand même de faire des sphères et de les rajouter petit à petit. Bah, une tête bizarre là, sa jambe a une tête vraiment bizarre. Elle n'a pas l'air en forme. Ça donne quoi en solo ça? Ah ouais, ah ouais, ça fait bizarre. Un petit coup de smooth là. Ah ouais, il n'a pas du tout de. Ça c'est pas grave. Ça, ce qu'on peut faire, c'est réduire là. On peut lui mettre un petit coup de brush standard. Alors, les mollets ils sont là. Alors, un petit coup de brush ici pour augmenter la taille des mollets. Oh la vache, j'avais pas vu, c'est beaucoup ça quand même. Juste deux passages. Voilà. Un petit peu encore là. Un passage. Ouais, on va dire que c'est pas mal. Un petit coup là sur le genou. Ouais, un petit coup de smooth là. Hop. C'est vraiment du va-vite. On va lui faire les pieds vite fait. Alors là, les pieds, je vais pas m'embêter. Hein. Je vais tout simplement faire les dents subtools. Je vais ajouter une sphère. Hop, je vais sauvegarder déjà mon projet. Alors, enregistrer. Je vais pas l'enregistrer dans ça, je vais l'enregistrer dans autre chose. Test. Perso. Non, comment ça s'appelle le logiciel? Accurig? Accurig, je crois que c'est ça. Voilà. Je sais plus où j'en suis là. Ça, je réduis la taille. Rien par ici. Zoom, zoom, zoom. Attention, sauter. Ok, un petit coup de dessin. Là, j'aurais dû prendre un cube, ça aurait été plus facile. Ah ouais! Est-ce que je peux te changer en cube? Modificateur, polycube. Ouais. Déplacement. Non, 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 si, si, c'est ça le déplacement. Voilà. On augmente la taille. Hop. Je vais te mettre un petit coup de subdivision ou pas? Allez, subdivise. Effacer inférieur 6000. Ouais, c'est bon pour un pied. Ça va le faire. On réduit la taille tout de suite. Voilà. J'aligne par rapport au pied du personnage déjà existant, je ne vais pas m'embêter. Ah, il est de travers, oui, c'est vrai. Déplacer, c'est une rotation de combien? 5 degrés? 10 degrés, voilà.
Ok. Alors, on reprend la brush. On va smousser un petit peu partout. Je vais essayer de tirer ça vite fait. Hop. Essayer d'arrondir ça. Ça, je vais essayer de tirer. Voilà, au niveau de l'autre. C'est pas beau, hein, mais on s'en fiche. Le but, c'est pas de faire un truc beau, là, c'est juste de voir comment fonctionne le logiciel. Et comme j'avais pas de personnage déjà prêt, ça, c'est ennuyeux. Je vais faire un pied, j'essaie de lui faire un pied, alors, un pied vite fait, quoi. Hein, quelque chose qui ressemble quand même à un pied. Un minimum. Un petit coup de... Moi, j'ai un petit coup d'irremèche dans la tête. Voilà. On passe en moitié. 2900, c'est pas mal pour sculpter. 900, c'est pas mal. Ça va vite à modifier. Plus, comme ça. Un petit peu... Oula, bizarre. Plus aplati ici aussi, ça fait bizarre. C'est quand même mieux de prendre son temps pour faire quelque chose de plus joli que ça. Bon, enfin, c'est pas trop rare. La taille ici, juste avec un coup de smooth, ça devrait suffire, je suppose. Suffit de smoother. Voilà. Alors, on obtient quoi? Ça ressemble à un pied. Bon, il n'y aura pas de doigt de pied, hein, c'est juste fait comme ça. Ouais, ça ressemble à un doigt de pied. Ok. Ensuite, je vais cacher le personnage d'origine. Je vais enlever la mode transparence. Regarde ce que ça donne. Ok, ça roule. Ça, je vais le déplacer pour l'aligner par rapport à la cheville. Un petit peu plus en arrière maintenant. Voilà. Je vais renommer ça un pied. Allez, hop. Ça, je vais le renommer encore. Hop, on se dépêche, on se dépêche, on essaie de faire vite. Alors, le corps. Avant toute chose, on va le géométrie, on va virer la dynamèche. Voilà, et on va faire un petit coup de ziremèche avec la symétrie en route. Et on regarde déjà. Voilà, c'est plus joli. C'est déjà mieux. Ok, impeccable. Je retourne sur le pied. Il n'est plus du tout aligné du coup. Donc lui, il faut qu'il aille plus par là. Très bien. Ok, on va dire que le pied nous convient ou on va peut-être ajouter des détails après sur le corps. Waouh, ouais, on va quand même faire du petit détail. Alors là, pour le moment, CTRL S, je sauvegarde un test perso à Q-Ring. Alors, vous pourrez zapper plus loin hein, dans la vidéo si vous n'avez pas envie de voir ça. Hein. C'est pas un souci. Faites ce que vous voulez. C'est juste que là, je montre vite fait. Donc, je remets le personnage d'origine qui est là. Je me remets en transparence. Et là, on va lui faire des bras vite fait. Un minimum quand même. Alors, je regarde vite fait. Dans la vidéo de démonstration, elle est ici. Non, c'est là. Non, c'est plus haut. C'est où? Donc, lui, il a les bras bien droits. D'accord, donc la pose que j'ai là va pas. C'est bizarre ça. Pixel. Non. Vous voyez, moi cette pose, ça va être cette pose-là en fait qui va ressembler au personnage, je suppose. Celle-ci. Après, on pourra toujours modifier la pose du personnage dans ZBrush, hein. C'est pas un souci. Donc là, je vais pas lui faire le bras courbé comme ça, je vais lui faire le bras bien droit. Alors, comment qu'on fait? Très bonne question. Et bah, on va tout simplement ajouter encore une sphère. Voilà. On va l'appeler bras. Hop, hop, hop. On change sa taille. On se met face au personnage. On prend avec le gizmo. On zoome. On se met vue dessus. On place à peu près au bon endroit. On commence déjà à lui donner une petite forme. Juste avec la déformation simple. Voilà. Ok. Donc ça, on va dire que c'est l'épaule. Bon, on va faire ça. Un petit peu plus large, du coup. On va dire que ça, c'est l'épaule. Voilà. Un petit peu plus épaisse. Ça ressemble à une épaule.
je cache. Ouais, si c'est bon, ça ressemble bien. Peut-être orienté plus comme ça. Voilà. Et peut-être un petit peu plus bombé. Pas grand chose, enlève-moi ça. Ouais, ça peut ressembler à une épaule. Ok. Oh, c'est un peu beaucoup quand même, plus bas. Plus à l'intérieur. Voilà. Ok, CTRL-SHIFT-D pour dupliquer cette sphère. On la déplace sur le côté. On augmente la taille, on diminue comme ça. On diminue comme ça. Là, on oriente tout de suite. Non, on a dit qu'il fallait qu'il soit droit. Ah. Alors, niveau longueur, on doit être pas mal. Quoique, on s'en fout, en fait, de la longueur, c'est un alien. Hein. Ah, ça, je m'en fiche. Ouais. Je vais faire des bras un peu plus longs. Ouais, c'est vrai, je peux faire ce que je veux. Ah oui, j'y pensais plus. J'y pensais pas. Ok, bon, on va déjà faire ça. Bah, du coup, j'ai plus vraiment besoin du personnage comme échelle. J'en ai plus vraiment besoin. Ok, ça roule. CTRL-SHIFT-D, on duplique encore. On passe à l'avant-bras. Et c'est là que je vais tricher, je vais faire des avant-bras plus longs. Après tout, il n'y a pas de raison. Plus long et plus large. De pas, alors ça, plus large, je vais le faire, mais à la main, par contre, en sculptant, ça sera plus simple. Ok. Je vais reprendre... alors, pour faire la main, c'est quoi le mieux? Un cube? Un rond? Ouais. Moi, je dirais un cube, ça reste le mieux quand même. Donc, je vais prendre le sphère qui est là, je vais la dupliquer. Je vais la décaler tout au bout. Je vais la renommer en main. Voilà. Et là, je vais ici dans modificateur et je veux un polycube. Tout petit. J'appuie sur déplacement. Je remonte sa taille. Voilà. Là. Ok, il n'y a pas assez de machin dessus. Enfin, il n'y a pas assez de. Donc, je vais subdiviser. 24 000, c'est bon. Ouais, il est très bien pour faire une main. Donc, je vais lui donner une forme grossière. On va dire ça. Ok. Là, j'arrive plus à bouger la caméra. On va dire une forme grossière, il va avoir des bras comme ça. Ça va faire bizarre comme bras. Ça va faire bizarre. Je ne sais pas si ça vaut le coup de lui mettre des bras aussi longs. Non, je vais juste... Il est où? C'est celui-là. Je vais juste réduire la taille de celui-ci parce que, en fait, ça fait pas beau. L'avant-bras, je vais le mettre là. Voilà. Et la main, je vais la mettre là. Voilà. Je pense que c'est mieux. C'est même encore un peu trop, je dirais. Il faudrait juste. C'est lui-là. C'est le bras. Le rentrer plus dedans. L'avant-bras, plus à l'intérieur. Et la main, si j'arrive à la choper, elle est ici. Voilà. Ouais, je pense que là, ça serait beaucoup mieux. Ouais. On va faire plutôt ça. Alors, CTRL-S, je sauvegarde quand même. Par sécurité, on n'oublie pas, la 3D, ça peut planter n'importe quand. Donc là, on va tout souder ensemble. Donc j'enlève le mode transparence. Je vais dans ce tool. Là, je vais prendre le bras, la main et tout le bordel. Je pense que c'est tout ça. Alors, je fais fusionner bas. Ok, fusionner bas. Et bah, voilà. C'est parfait, ça s'appelle bras. Là, ce qu'on va faire, on va aller dans Dynamesh. Donc, c'est Tool, Géométrie. On est dessus, Dynamesh. Alors, on essaie déjà une réduction de 128. C'est pas trop mal. On va rester en résolution de 128 ou pas? Bonne question. Ouais. Je vais rester en résolution de 128. Ok, bon, bah, du coup, on peut commencer à sculpter. Donc là, je vais prendre la standard brush. Non, la clé humide. Je vais réduire la taille. Là, je vais commencer à smousser la main. Alors, je smousse un peu partout. Voilà. Ok. Je vais smousser les articulations. Plus fine au niveau des poignets. Désolé, je suis un peu malade en ce moment. Je viens de rentrer de vacances au bord de la mer. J'ai pris le train TGV et ils avaient mis la clim à fond. Et du coup, bah, ça va que il me reste encore une semaine de vacances avant de reprendre le boulot. Donc, c'est la semaine qui me servira
à me soigner. Merci, la vidéoconsultation par internet. Parce que pour trouver des médecins là où je suis, et ouais, c'est galère. Un petit coup de standard brush ici sur le biceps. Ici sur le triceps. Voilà. Un petit coup là au niveau du coude. Pour faire une bosse, s'il veut bien. Hop. Je vais retirer la dynamèche. Et là, je vais passer en. Je vais subdiviser une fois. Voilà. Je vais effacer l'inférieur. Ça sera mieux. Un petit coup de zoom. Hop. Là. Je smousse pour réduire la taille. C'est vraiment du vite faire. Ok. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va. Alors, je vais pas lui mettre. On va lui mettre des doigts, mais on va lui mettre que trois doigts. Parce que comme ça, ça va permettre de voir un peu comment ça se passe. Donc là, j'ai combien? J'ai pas assez de... Alors, je fais CTRL-W pour que ce soit un seul et même polygroupe, déjà. Voilà. Là, ce que je vais faire, je vais passer en mode ici, là. Sculptis Pro. Et je vais tout simplement masquer. Enfin, Sculptis Pro, non. Je vais pas le mettre tout de suite. Je vais déjà subdiviser un peu plus. 112 000, c'est bon, effacé inférieur. Je zoome, alors là je vais masquer déjà un doigt, un deuxième doigt. Alors comment je peux les faire les doigts? On va les faire, non, on va les faire différemment. Un gros doigt ici, voilà, j'inverse le masque, hop, déplacement, je dégage comme ça. On va faire des doigts comme ça, c'est assez long. Parfait, mode dessin. J'enlève le masque. Et un, alors là, ce doigt-là, je vais mettre sur le dessus, ici. Ah, ce que j'aurais dû faire, alors, je vais faire CTRL-Z. Voilà. Je reprends le mode déplacement. Je déverrouille. Je centre. Je mets la rotation à 0. Je reverrouille. Donc ça va bouger que l'endroit où moi je suis. Voilà. On va dire ça de longueur, c'est pas mal. Je déverrouille, je me mets à peu près au début du doigt ici, je reverrouille et là je vais faire pivoter le doigt un petit peu. Oula. Voilà, c'est tout. Ou est-ce que ça vaut le coup de faire comme ça? Bon, ouais. Ou alors on va le faire autrement. Je vais voilà, plutôt faire ça. Je vais retourner en mode dessin. Voilà. Ok. Là ce que je vais faire, je vais juste masquer. Refaire la. Je vais. Avant toute chose, je repasse en dynamèche. La résolution, je vais la mettre à 256 dynamèche. Voilà, ça sera mieux. Ouais, c'est mieux. Un petit peu plus de résolution, même. Allez, je dirais du 528. Ok. Donc là, je vais utiliser. J'appuie sur CTRL pour faire mon masque. Je vais utiliser masque lasso. Et je vais masquer le doigt ici. J'inverse le masque. Déplacement. Et là, je fais une rotation un peu comme ça. Et je décale juste comme ça. C'est tout. Je vire le masque. Là, j'appuie sur CTRL. Je reprends. Je clique ici. Dans brosse. Et je reprends masque pen. Je ne le vois pas. Il est là. Voilà. Et là, je vais tout simplement refaire un masque ici. J'inverse le masque, déplacement, je déplace mon deuxième doigt ici, dessin, j'enlève le masque, je fais un masque dans le vide pour que Dynamèche refasse le doigt correctement, voilà, et là je vais faire un autre masque ici, un petit peu plus gros, voilà, j'inverse le masque, déplacement, alors je peux déverrouiller, je peux centrer, rotation 0, je peux reverrouiller et là je vais le faire bouger comme ça et un petit peu décalé comme ça. Voilà, et ça, ça va être notre pouce. Et je vais même le mettre un petit peu plus vers le bas comme ça. Voilà, et ça, hop, je vire le masque. Ça me plaît pas trop, c'est un petit peu trop vers le bas. Voilà, on va laisser comme ça. Ok, Dynamèche, il refait un petit peu tout.
C'est bon. Donc là, maintenant, on passe. Alors, déjà, sauvegarde. Ctrl S. Un petit coup de smooth un petit peu partout, gentiment. Je sais pas si je vais vraiment faire des détails sur ce personnage-là. C'est vraiment du valide. Ok. On verra bien. Ça pourrait être sympa de faire quelques petits détails. À voir. Alors, le visage, on va pas l'animer. Parce que ça va être trop long sinon. Ça va. Le bras me paraît grand par rapport au corps. C'est vrai que. Ah oui, mais il y a les doigts. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les en déplacer. Déverrouiller, centrer, reverrouiller, et on va juste réduire la taille générale. Comme ça. Et on va faire rentrer plus à l'intérieur. Voilà. Ok, ça roule. C'est un petit peu plus. Un peu mieux, je pense. Ok, on va dire que ça, c'est bon. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Les détails. Alors, est-ce que ça vaut le coup de faire un détail tout de suite? On va déjà faire. On va souder le bras. Donc, bras, ce que je vais faire, je vais le dupliquer. Voilà. Ensuite, je vais aller dans déformation, mirror X. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Le pied. Le pied qui est ici. Donc, dupliquer. Hop. Déformation, mirror X. Voilà, on a nos deux pieds, on a nos deux bras. On va tout souder ensemble. Hein. Donc je prends tout. Alors je vais prendre corps. Bah, je prends tout directement, fusionner bas. Voilà. Hop. Polyframe view. Ctrl W. Un seul polygroupe. Ok. Je vérifie si je suis pas. Plus en dynamèche, donc c'est bon. Alors là, on va souder, mais en utilisant une autre manière. On va aller dans déplacer. Alors j'enlève la symétrie avec X, je déverrouille, je centre, rotation à 0, je reverrouille. Ok. Et là, je vais ici dans modifieur et remaillage par union. Alors, par contre, normalement, je devrais avoir des flèches, mais je les ai pas. Alors, est-ce qu'il me les a fait? Polyframe View. Ah, si, c'est bon, regardez, il m'a fait le maillage ici. Donc, modificateur, accepter, mode dessin. Et là, normalement, si j'utilise la Smooth Brush, on va dire commencer par les pieds. Ici, alors, X pour symétrie. D'accord, faut pas oublier. Et là, si je smousse ici, voilà, oui, c'est bon, ça a été soudé. Impeccable. Ça a bien été soudé. On fera un coup de ziremesh avant de rajouter les détails du personnage. Donc là, je smousse aux intersections, tout simplement. Voilà. On va dire que c'est bon. Il a les mains un peu carrées, quand même. C'est un alien, après tout. C'est de smousser, on va voir ça. La forme générale, on la modifiera après avoir mis un coup de ziremesh. Alors, c'est un alien. On va voir un peu à quoi tu peux ressembler, toi. Ok, donc ce que je vais faire là, je vais utiliser la standard brush. Un petit peu plus gros, on est en symétrie. Alors, on va y mettre un petit peu plus de fesses. Voilà. C'est un petit peu trop, là. Un petit coup de smooth. Ok, c'est suffisant, pas plus. On va smousser le bide pour lui réduire. Voilà. Et la taille des cuisses, moi, ça me va. Peut-être réduire la taille, la largeur des cuisses, peut-être. Alors, je smousse à l'intérieur. Ok, ça c'est fait. Là, on est bon. Ok. On va rajouter les détails après. Je smousse là. Ok, on va peut-être réduire la taille du thorax. Ça me paraît un petit peu beaucoup, je trouve, pour un alien. Un petit coup de smooth ici. Voilà. Encore un petit coup là. Pour faire un creux au niveau du ventre. Léger. Voilà. Ok.
CTRL-S, je sauvegarde. On va lui faire la tête vite fait. Alors, Subtool. Ajouter une sphère. Voilà. On va la renommer en tête. On va le déplacer. On la met en position. On réduit sa taille. Sur le côté. Zoom. Alors, on va dire que la hauteur du cou va être ici à peu près. Donc il peut-être va être comme ça. Hop, mode dessin. X pour symétrie. Ça c'est bon. Ok. On va faire la move brush. Un petit peu plus rose la brosse. Et on va lui tirer le crâne en arrière. On se met de face. Elle est un petit peu haute la tête. Voilà, je la place vers le bas. Plus de crâne. Plus large la tête en haut. Ok. On est un petit peu plus écrasé, ouais, c'est pas mal. On réduit la taille de la brosse. Un petit coup de zoom. On réduit encore la taille. Un petit peu plus ronde. Alors. De smooth, on va dire que c'est pas trop mal. Ok, on va lui mettre un petit coup tout simplement de ça, de masque. Voilà. Déplacement, on inverse le masque, descend vers le bas. Toc, 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 toc. On va dire que c'est son cou. Voilà, un petit peu plus bas encore. Ok, dessin. On vient, hop, on bouge l'ensemble, c'est pas mal, ok. Maintenant je vais passer en géométrie dynamesh, alors résolution je vais mettre 200, ça n'a pas l'air trop mal, je suis toujours en symétrie, donc un petit coup de smooth, ouais, ok. Okay. Je sais pas trop comment faire un alien, mais on va se débrouiller. Un petit coup de smooth sur le côté, ça me paraît trop large la tête. Ah voilà, c'est l'arrière du crâne, il n'est pas assez ressorti. Voilà, là c'est pas mal. Et là, un petit peu plus gros à l'arrière, ici. C'est pas mal. Et un petit peu plus sur dessus, comme ça plutôt. Voilà, ok, ça me va. Ok, alors CTRL S, on sauvegarde. Tac, 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 tac. Ok, 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 tout va bien, tout va bien, tout est ok, tout est bon. On va pouvoir faire les détails. Bah, je crois que oui. Allez, c'est parti pour les détails. Donc, première chose à faire, souder le corps à la tête. Oups, ça vient par ici. Alors déjà, on vérifie si elle est bien placée, la tête. Plus en avant. Le plus haute. Ouais, on est bien. On est bien ou pas? Ouais, si, on est bien. Alors, fusionner bas. Voilà. CTRL W, c'est les mêmes pour les groupes. Tac. Là, on va lui mettre déplacement pareil que tout à l'heure. Même chose. Modificateur, remaniage par union. Normalement, c'est fait. Accepté. On va smousser le cou. Je fais symétrie X. Le maillage a été refait, donc c'est bon. Ok, on va lui faire un premier coup de ziremesh déjà.
Alors, géométrie, Zero Mesher, on appuie sur X pour être bien en symétrie, et on va laisser faire en adapté déjà, on va voir ce qui va nous sortir. 10 000 polygones, ça va, il coûte quasiment rien, impeccable. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire une copie déjà. On va travailler sur une copie, alors lui, je vais le renommer en Alien, voilà. Donc dupliqué, je vais travailler sur Alien 1, je cache l'original, voilà, CTRL S, on rajoute les détails. Alors là pour les détails, on va pas s'embêter, on va activer, on va subdiviser une fois, donc géométrie subdivisée une fois, ok, on efface un niveau inférieur, on va prendre... la standard brush, déjà, non, la clé brush plutôt. Voilà. On va appuyer sur ça. Active Sculptics Pro. On vérifie qu'on est bien en symétrie. C'est bon. Et là, je vais juste smousser un peu les épaules. Parce que c'était trop épaisse. Ok. On va smousser encore un peu les mains. Ok. Je vais commencer par la main. Je réduis la taille de ma brosse. C'est des doigts vite fait. Hein. Comment je peux faire ça? On va lui faire des phalanges. Je smousse. Ah, c'est pas beau. On va faire un petit peu plus rose. Alors je vais mettre plutôt un standard brush pour ça. Ça reste rond, hein. CTRL Z, petite. Je vais juste faire des phalanges comme ça. Un petit coup de smooth pour les réduire la taille. Voilà. Ici. Voilà. Ceci, ça part en chose. Ok. Des zooms. D'autres comme détail. Donc là, ok. Bon, là, on va dire que c'est bon. Je vais lui donner une forme vite fait au niveau des pieds ou pas. Ouais, vite fait. Ah, j'arrive plus à voir mon personnage. Viens par ici, toi. Une forme vite fait au niveau des pieds, on va juste essayer de lui faire des doigts de pied, un peu alien. Gros pied, gros doigts de pied, hein. Il n'est pas beau celui-là. Tiens, il n'est pas beau, j'ai pas bien réussi. Plus gros ici, comme ça. Voilà. De smooth. Alors là, je donne la forme générale. Ici, là, c'est trop. Voilà. Ok. On va rester comme ça, on va y aller tranquille. Donc là, je disais, c'est la forme générale du personnage. Et on va y faire les trous pour les yeux. Ouais, si. Alors les trous pour les yeux, on va lui mettre des yeux assez gros. Comme ça, voilà, ça sera les trous pour les yeux. Ok, alors le nez, je sais pas encore si je vais le faire en relief ou pas. Au moment, on va laisser comme ça. Là, ce qu'on va faire, on va refaire un Zero Mesh, toujours en désactive Sculptis. On va faire un Zero Mesh final, donc toujours en symétrie, donc Zero Mesh. Le but là maintenant, c'est d'atteindre un nombre de polygones défini. Donc 10600, ok, on va dire que 10600 c'est notre nombre de polygones final. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va sauvegarder. Voilà. Alors
Alors, il aura pas allumé des yeux ou pas? Oh, je sais pas si ça vaut le coup d'y mettre des yeux. Il aura pas d'œil, d'accord? Pas ce modèle-là. Vous savez quoi? On va le laisser comme ça. Et si vous voulez rajouter des détails, vous en rajouterez. Mais là, on va tester sur ce personnage déjà. Donc, ce qu'on va faire, on va aller dans Zip Plugin, UV Master, Symétrie, Déballer. Voilà, Zip Plugin, Aplatir. C'est bon, tout est là, désaplatir. Ok, donc là on va dire que le personnage est fini. Bon, c'est fini à la va-vite, hein, voilà. Mais c'est comme ça. Est-ce que ça vaut le coup de lui mettre une texture? On va essayer de lui mettre une texture vite fait, voir un peu ce que ça donne. Donc je vais faire Zip Plugin, FBX, sélectionner, et glissage normal, exporter. On va l'appeler Alien. Rig. Voilà, alors je vais ouvrir rapidement Substance Painter. J'espère que la vidéo va pas durer trop longtemps parce que en plus j'ai pas encore installé le logiciel à Curie, donc je sais pas du tout comment ça fonctionne. On va voir ça. Hop là. Alors file new, sélectionner Alien Curie, c'est lui. On va lui faire une texture. Il est là, notre alien. Ah bon, il y a des trous à la place des yeux. Hein. Bon, hey. Hein? Ok. Alors, je vais essayer d'aller dans Smart Material ou pas. Ah, par contre, j'ai pas besoin. On cherche Creature Skin. C'est parfait, sans dire un truc de crapaud. Voilà. C'est pas beau. Ou que c'est pas beau, mais c'est bof. J'ai un truc. Ah, skin. Voilà. Créature bleue, martien bleu. Ouais, sans plus, hein. Ouais, sans plus, pas beau. En vert, ça donne quoi? Ouais, hein, bah, c'est un petit homme vert, ouais. Bah, ouais, pourquoi pas. Détail skin, darker spot, ouais, il n'y a pas moyen de mélanger ça. On va tricher. Je vais le laisser en vert ou en gris. On va le laisser en vert, on va tricher, on va aller ici. Texture setting, bake, mesh map. C'est du 2K. Non, vous savez quoi, on va même le mettre en 4K, on va pas s'embêter. Et on va resélectionner notre alien. Bake. Comme ça, on va gagner en détail. Bon, pas grand chose, c'est exactement le même, mais on va pouvoir lui appliquer des masques. Des smart masks. Alors si vous voulez faire votre personnage, vous le faites tranquillement, vous prenez votre temps pour faire quelque chose de joli, vous lui mettez des habits, voilà, mais là c'est vraiment la va-vite, c'est pour tester. Donc là vous voyez, ça a déjà rajouté quelques détails. Ok. Alors, je sais pas pourquoi il me fait ça. Skin dark detail, c'est quoi? C'est pas ça. Non. Darker spot, je sais pas ce que c'est, non. Undertone. Ah c'est ça, undertone. Alors ça, il faut cliquer dessus et il faut passer en mode triplanar. Et normalement, ça ne fait rien. Ah bon. Bon, je vais te laisser en mode UV. Ça n'a rien changé. Ok. Scattering. Je ne sais pas ce que c'est. Non. Ah. On passe celui-là. Il y en a des couches juste pour ça. Base. Si je passe en triplana, étrange. Bon, c'est pas grave. On va lui mettre celui-là, flèche tissu. Ah, ça va être dégueulasse. Ah, c'est sale. Select appli, fat. Non. Fat fever. Oh, oh, il est bien dégueulasse celui-ci. Triplanar. Voilà. On va augmenter son scale. Et il est bien sale celui-ci. Ouais. Ok. Et là, on va le mettre en smart mask. quelque chose qui peut ressembler à de la peau. C'est quoi ça? Oxydation, non? Edge blur, non.
celui-là, Paint Damage. Donc on met dessus. Ah, et on est en style. On est en style. Ok, on va les laisser comme ça. Je vais rajouter un layer. Ok, je vais passer en mode brosse. Basic Soft. Ok, je vais passer en mode matériel mode. Et on va lui mettre. Alors, artificial liver, peut-être pas. Fibre de carbone. Aluminium. Allez, va pour de l'aluminium. Par contre, en noir. Je fais un test. Alors, les yeux qui brillent. C'est pas beau. Pas très beau. CTRL Z. Une autre couleur que noir. Bleuté. Eh. 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 Bah, ouais, quand même, hein, CTRL Z. Ok, j'appuie sur L pour symétrie. Je fais ça vite fait. Italienne. Ok. J'enlève L. Je vais rajouter A de layer. Alors, ça, je vais le renommer vite fait, c'est les yeux. Voilà. Ça c'est le logo, je vais quand même mettre le logo. Et Alpha, Ni, hop là, Ni TV, même couleur. Ah non, CTRL Z, non, ça ça va pas le faire. Matériel mode, voilà, comme d'habitude, artificial liver, entièrement noir. Un petit peu plus gros. Ouais, peut-être un autre endroit. Ouais, sans plus. Ah, quoique, là, si, ouais, juste ici, c'est pas mal. Petit logo UniTV. Ok, on va dire qu'il est fini. Donc, je vais dans File, je vais faire Save As. Je sauvegarde le projet de texture, vite fait. On va l'appeler Alien Facture Rig. Enregistrer, voilà. Maintenant je vais dans File, je vais dans Export Texture. Alors moi je veux que en 2K, c'est suffisant, je fais exporter. Donc ça, ça sera pour iClone. Comme ça on aura déjà la texture. Voilà, c'est bon, tout est là. Donc là je vais s'ouvrir, lui je peux le fermer. Non, je viens juste de sauvegarder, donc c'est bon. Et maintenant on va tester. Alors, si tu es dans Internet, j'ai quoi? Ça, c'est des visages que j'ai téléchargés pour pouvoir les refaire. Donc, on va aller sur ça. Donc, Acurig, alors, comment ça marche? Ben, on va voir ça tout de suite. Free Download. Alors, ça fait 588 mégas. D'accord, hein, c'est quand même costaud. Par contre, ça va s'installer où, ça? Très bonne question. Alors, le but, c'est de riguer un personnage. Un peu comme le machin de... Comment ça s'appelle? Où on va chercher les animations gratuites, là, un peu le même système, mais je pense que ça doit être mieux conçu, un minimum, ou alors ça se trouve c'est exactement la même copie, mais bon, à tester, hein. Et on peut tout de suite l'animer avec une animation qui leur appartient à eux, et normalement on doit pouvoir l'exporter entièrement rigué, prêt à usage dans iClone, c'est quand même le but. Alors je sais pas si on peut riguer le visage, je n'en sais rien du tout, on va voir ça. De toute façon le visage là, on n'en a pas, donc on va pas pouvoir le faire, mais on va voir s'il y a des options. Je sais qu'on peut riguer les doigts, j'ai vu ça dans la vidéo de présentation, je l'ai vu aujourd'hui. Ça y est, t'as fini? Ouais, il a fini. Je vais voir ça comment ça s'installe. Il est là, Actor Core, Acurig. Ben vas-y. Double clic. Quand tu veux. Hein. J'accède. Blablabla. Êtes-vous d'accord? Bah oui, j'ai pas le choix si je veux l'installer. Tu veux que je fasse comment? Alors c'est programme fil Actor Core, Acurig. Ça m'ennuie un peu qu'il m'installe dans C. J'ai changé de disque dur, donc j'ai de la place. Et tu veux me mettre ça où, toi? Programme Fail. C'est dans celui-là, là.
Et normalement, je recherche vite fait. Réallusion est là. Ah non, c'est pas le bon. C'est dans le programme. Réallusion, il est où? Ouais, c'est bon. Bah vas-y, hein, ouais, c'est programme film installé. J'espère que mon micro marche, sinon j'ai parlé pour rien depuis le début. Ok. Bah, par contre, tu vas pas me demander de trucs de connexion. Ça m'ennuierait d'avoir les entrées en vidéo, ou alors faudrait que je coupe au montage. Allez, on se dépêche. Alors, du coup, moi je pensais que c'était sur le navigateur internet qu'on le faisait, mais apparemment non. Je sauvegarde vite, CTRL S. Test aperçoit curie. Je sauvegarde le projet, ferme mes ZBrush quand même. Non, c'est bon, je viens de sauvegarder. Ok, donc ça je referme. Ah, il n'a pas fini, j'ai cru qu'il avait terminé moi. Quand tu veux, gars. Il est bientôt 1h du matin. J'avais pas prévu de faire la vidéo à cette heure-là, mais bon, du coup, je me suis dit avant d'aller dormir, pourquoi pas tester. Ce qu'il est en train de faire. Ça y est, c'est bon. Ok, bon, je pense que c'est bon. Je vais fermer la page ou pas. Je vais la laisser ouverte, on sait jamais. Alors, lancer à Keurig. Oula, d'accord. C'est. Ah, il me connecte. Ni. C'est bon. J'ai rien eu à faire. Impeccable. Please drag. Drag or choose fill. Ah, bon, on va faire. Il veut draguer, bon on va draguer. Création. Il est où mon bonhomme? Il est où? Il est là, Alien à Keurig. Il est ici. Donc on va draguer, hein. Autant faire au plus simple. Il est là. Donc c'est lui, je prends, je mets dessus. Alors, il n'y aura pas besoin de faire une mise à l'échelle, il est directement à l'échelle des personnages. Alors déjà, comment ça fonctionne? Ok, là je peux rien faire. La seule chose que je peux faire, c'est checker. Donc, please center the line of the. Hein, j'ai pas compris. Place la ligne au centre. D'accord. Bah, c'est bon. Moi, c'est centré pour moi. Ça me va. Ça fait quoi si je bouge ça? Ah, d'accord. Ok. Non, bah, 50, c'est bon. De toute façon, j'ai utilisé un personnage d'iClone comme échelle. Donc, normalement, l'échelle est bonne. Ça veut dire quoi, rotate 90? Ah, d'accord. Ok, bon, ok, donc ça, après, c'est pour le tourner comme il faut. Ok, ça, c'est pas rare, on teste un peu tout. Je fais... c'est tout? Et par contre, lui, il est comme ça, et moi, je suis comme ça. Ah, j'aurais peut-être dû... On va voir. Rig body. Alors, je pense pas que ça se fasse grand chose, hein, qu'il soit hanté et pas comme ça. On va bien voir. Placing body joint. Ok. Alors là, du coup, faut faire. Bah, c'est tout. Faut se fier à cette image-là. Donc, ça s'arrête tout au niveau des oreilles. Au niveau des oreilles. Donc, ah voilà. Alors, on peut bouger la caméra. D'accord. Alors, comment ça marche? Le clic pour sélectionner, c'est pour tourner la caméra. C'est un peu comme dans iClone. Si j'appuie sur X, il se passe rien. D'accord. Ah, si, c'est passé quelque chose. Ah ah, très bonne question. J'ai fait une connerie, j'appuie sur X. Ah non, c'est là, oui. Voilà, rotation. Ok. Déplacement. Et zoom. Donc, rotation ici. Le zoom, c'est la molette de la souris. Alors. Le bouton pour sélectionner, pour valider avec votre souris, ça tourne la caméra comme ça. Le deuxième bouton qui sert à ouvrir le menu comme ça, moi je suis gaucher, donc mes boutons de souris ils sont inversés par rapport à vous. D'accord? Donc le bouton qui vous sert à valider, c'est pour tourner la caméra. Le bouton qui vous sert à ouvrir les sous-menus comme ça, c'est pour bouger comme ça. D'accord? La molette de la souris, c'est pour le zoom. Donc, ce point-là,
On va commencer par le haut, ici, là. Il doit être placé mâchoire-oreille. D'accord, je le mets de côté. Mâchoire-oreille. Je le mets de face. Il n'a pas bougé, il est bon. On va dire qu'il est bon. Le point qui est là, c'est celui-ci doit être placé au niveau du cou. On a la jonction du cou et du corps. Donc c'est ici. Désolé. Ah, c'est chiant d'avoir d'être malade comme ça. Encore une fois. Saloperie de clim. Ok. Celui-là, il doit être... Il doit être où ? En fait, je pense qu'il est bien. Alors, là, vous voyez, il y a les deux opposés. Donc, si je veux... ah, bah, c'est marqué. Voilà. C'est la clavicule gauche. Donc, si je veux bouger celui-là et celui-là en même temps, je clique ici sur symétrie. D'accord ? Si je veux que les joints soient plus gros ou plus petits, c'est ici. Si je veux moins les voir ou plus les voir, c'est ici. D'accord ? Comme ça, moi, je laisse ça 50, ça ne me dérange pas. Donc là, j'ai cliqué sur symétrie. Donc là, les joints, ils sont à peu près ici. Très bien. Ensuite, les épaules. Bah, puis au niveau des épaules, bah, les épaules, alors, c'est la jonction du corps. Donc c'est ici plutôt. D'accord ? Je me mets sur le dessus, je regarde. Ça va, je suis bien. Ça, ça doit être les coudes. Ouais, donc là, il n'est pas bien. Le coude, il est ici. Voilà, je vais sur le dessus, c'est bon. Ça, ça doit être la main, le poignet. Ah, c'est le poignet, ça. D'accord, donc le poignet, il est là. N'oubliez pas, symétrie pour bouger les deux en même temps. Ok, ça c'est quoi ? Ça, c'est sous le nombril. Alors, je vais déjà m'occuper des deux autres. Eux, ils sont à la jonction de l'aine, voilà, l'entrejambe. Ok, on est bon. Lui, il est... Bon, il est là où il est au centre, en fait. Hein. Edit. Non, je vais le laisser comme ça, il est bien. J'ai l'impression que je l'ai bougé, mais pas comme il fallait. Ah ah ! Très bonne question. Je vais me fixer par rapport à ça. Est-ce que je peux le remettre en appuyant sur quelque chose ? À tout hasard ? Non ? Non. Ah ah ! Là, ça va me poser problème. Ah, attendez. Je me remets droit. Ok, je crois que j'ai remis en symétrie comme il fallait. Ouais, je crois que c'est bon. Ça, c'est le genou. Donc là, je vais mettre sur le côté. Oula, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi il m'a mis un genou là et... Pas bien, ça. Symétrie, je vais le bouger. L'autre, il va peut-être... Ah, voilà, c'est bon. L'autre, il suit. Ah, il m'a fait peur. Donc le genou, il est un petit peu plus ici. Et là, alors attendez, vous voyez là, j'ai inversé, c'est de ma faute, donc ça, ça va là, voilà, genou droit, et genou gauche, et sur le côté, on est bon, ok, ici c'est quoi, c'est la cheville, d'accord, donc là la cheville, je vais mettre de derrière, ça sera plus simple, je vais la monter, elle est ici la cheville, regarde, plus comme ça, ah, il s'est remis là, saloperie, midpoint placement, qu'est-ce que ça veut dire ça, si je défais ça, ça fait quoi? Ah, c'est ça. C'est cette option-là qui remettait... d'accord. Qui remettait ça au milieu à chaque fois. Donc la cheville est ici. Ok. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est le bout du pied, en fait. Donc le bout du pied, bah, il est au bon endroit. Hein. Ouais, c'est bon. Donc là, on va dire que c'est bon. Alors là, par contre, j'ai... ah, voilà. Hand ring. Je fais quoi ? Je fais... rig right hand. Ben voilà. Donc on passe aux mains. Quand tu veux. Allez. Ouah. Alors attends. C'est quoi tout ça? Ah voilà. Eux ils font main droite. Ok alors. Nombre de doigts. Donc là notre personnage il n'a que 3 doigts. Donc 3. Alors, combien de doigts on peut faire? J'ai pas vu. J'ai pas vu c'est combien de doigts maximum. On va laisser calculer son truc. Franchement, si ça, ça marche bien, ça vaut le coup, je pense,
d'utiliser ça plutôt que Blender, à la limite. Si ça marche mieux Blender, pourquoi pas. À la limite, après, si jamais le personnage est fini, après le réexporter dans Blender pour pouvoir faire le rig du visage, c'est pas plus mal. Alors, il y a un point, alors bougez pas. Oula, alors attendez. Mirror to right hand, mirror to left hand, ça veut dire quoi? Ah, j'ai un souci là. Taille des joints. D'accord. Opacité plus opaque. D'accord. Ça c'est quoi? Mirror. Mirror to right hand. Mirror to left hand. Je ne sais pas. Bon, ça c'est quoi? Ce bouton là. C'est la jonction au niveau du pouce, d'accord. Donc, faut le mettre au-dessus. On va dire que le pouce il est ici. Celui-ci, c'est quoi? Vas-y, zoom. Voilà, ça c'est ici au début du pouce. Celui-ci, c'est là où j'ai fait la bosse. Et celui-ci, c'est le bout du pouce. Merde, caméra! Ok, ça a l'air d'être bon. Celui-ci, c'est quoi? Ok, c'est cette partie. Donc là-bas, il est au bon endroit. Lui, il est pas. Lui, par contre, il est pas au bon endroit. Lui, il est plus ici. Et ça, c'est quoi? Ah oui, c'est vrai, il y a encore une articulation ici. Ah, ça va être là. Et le bout du pouce, enfin, le bout de l'index, juste là. Voilà. C'est la phalange, voilà, c'est ça que je cherchais. L'os de la phalange. Donc, lui, voilà. Je vais reculer un petit peu plus, du coup. J'ai pas détaillé assez le personnage, en fait. C'est pour ça que j'ai ça. Ok. Comment je fais, du coup, maintenant? Handring. Bon, je pense que c'est bon. Ah, ouais, c'est là. Main droite, main gauche. Ah, alors comment je fais? Bonne question. Moi, j'ai pas envie de bouger celui-là. Donc là, je suis redevenu sur main droite. Mirror to right hand. On va cliquer. Oh, enfoiré! Si j'appuie sur CTRL Z, il se passe quoi? Ça marche pas. Ah non, c'était une autre option. Ah, ils sont chiants. Edit. On peut pas revenir en arrière sans avoir à tout refaire. Et non, salopard. Bon, c'est reparti, on recommence. Je comprends pas pourquoi ça fait ça. Alors, donc c'était, faut pas faire ça, c'est mirror to left hand. Ah, mais oui, miroir vers la main gauche. Saloperie. Ici, lui ici, lui ici, lui ici. La phalange. Et là, lui ici. Ici, phalange, ici, ici et ici. Ok, donc, miroir vers la gauche, voilà. Donc là, je clique, arrête de bouger, je clique ici sur left hand, c'est bon, il m'a fait la même chose, right hand, c'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Rig left end. Bah, ça y est, c'est fait, mon gars. Finalise le personnage. Alors, 100%, c'est quoi ce bordel? Non. Qu'est-ce que tu m'as fait là? Qu'est-ce que tu m'as fait? Body rig. Est-ce qu'on peut revenir en arrière? Alors, joint size, plus petit. Qu'est-ce qui va pas avec ça? Joint name, left toes, days. Ça, je vais bouger, je vais mettre là, au bout du pied. Voilà. Et ça c'est bien la cheville, hein. On est bien d'accord. Euh,
façon, pelvis, left foot. Ah, il est inversé, attendez. Left, right. Ah, c'est ici que c'est inversé. Alors, attendez, il faut que je vérifie un truc. Left, left, d'accord. Et là, right, lui, il n'a rien à faire là, donc je reste en symétrie. Et ils échangent leur place, ces deux-là. Voilà. Alors, me demandez pas pourquoi ça a fait ça. Je n'en sais rien. Bon, l'erreur est pas trop rare, hein. C'est vite réparé. Enfin, c'est vite réparé. En espérant que ça fonctionne. Ok, bon, bah, du coup, je vais retourner directement right hand. Je ne touche à rien. Left hand, je ne touche à rien. Finalise. Ah, c'est parce qu'il m'avait bougé. Ah, faut faire attention à ça. Bon, c'est pas trop grave, hein. Ça se récupère facilement. Et voilà ce qu'on obtient. Je vois pas, voilà. Hé. D'accord. Alors, par contre, il y a juste une déformation qui me plaît pas trop au niveau du visage. Ouais. Body. Vas-y, fais ça. C'est génial. Ah, vous voyez, là, il y a. Ici, il y a une déformation qui me plaît pas. C'est trop stylé. C'est quoi ça? Acting. Nous sommes venus en paix. Penchez-vous en avant et toussez, s'il vous plaît. Merci. Ah, vous voyez, il y a une déformation au niveau du visage. On va essayer autre chose. Je vais essayer de voir body part. Je vais essayer dans body rig, revenir ici. Voilà, alors je pense que c'est un mauvais placement ici. Alors, un mauvais placement. Je vais zoomer. Ce point-là, c'est le cou en fait. Alors, je pense qu'il est bien placé. Donc ce point-là, ici, il est peut-être pas assez haut. Il était trop bas, il était trop haut justement. Donc je vais le descendre et le mettre plus en avant. Vous voyez, je le mets un peu plus en avant comme eux ils l'ont mis là. Voilà. Et là, si j'appuie sur masque, alors je sais pas du tout ce que ça fait quoi, masque. Non, là ça me l'a fait bouger, mais pas bien quoi. Si je fais reset. Ah non, non, ça va tout me défaire. C'est mort, je fais pas reset. Je ne fais pas reset. D'accord, donc là, je vais mettre un petit peu plus bas ici et plus vers l'avant. En fait, c'est la jonction de la mâchoire et de l'oreille. Donc on va dire que c'est quelque part par là. On va réessayer. Donc je retourne en ending. Je regarde. Ça a bougé au moins ce que j'ai fait, ouais c'est bon. Donc ending, je fais finalise. On va voir si c'est un petit peu mieux. Après c'est un alien, il y a une grosse tête, hein, donc. Ah, il y a moins de déformation au niveau du bas du visage. Ouais, bah ça y est, ça marche. Hein. C'est bon. Ok, bon on va dire qu'il est rigué. Ok, pas de souci. On va pas trop lui faire de trucs pour le moment. On va juste aller dans... Ah, je crois que c'est dans ça. Export. Et ben voilà. Oh, regardez. Ça, c'est génial. On a l'option FBX ou e-avatar. Alors, vous savez quoi? Vous savez ce qu'on va faire? Bougez pas. Je vais démarrer iClone 8 directement. On va pas s'embêter. On va tester. Alors ça c'est bien parce qu'il y a l'option e-avatar, ça veut dire que vous pouvez directement le transférer en tant que de personnage iClone directement, ça c'est bien. Il va vous convertir automatiquement. Ça c'est bien. Vous pouvez l'exporter en FBX pour pouvoir rajouter un rig de visage avec Blender par exemple. Bon là je vais pas le faire parce que j'ai pas de visage sur mon personnage, mais si jamais vous en avez fait un, on va dire que ça vous a permis de faire un rig complet entre parenthèses, vous avez quand même vos pieds, vous avez quand même tous vos doigts, suivant le nombre de doigts que vous avez fait pour le personnage, vous avez les bones principaux quand même des personnages, donc c'est pas mal,
La seule chose qui va vous manquer, c'est les rigs faciaux. Mais ça, si vous savez les faire avec Blender, il n'y a aucun souci. Et pour les faire, il suffit d'aller ici, là, dans Exporter, choisir Export FBX. Vous choisissez l'application dans laquelle vous voulez exporter. Donc imaginons que là, je vais rajouter un rig facial pour voir les expressions. Bah, je vais là, et puis j'utilise tout simplement Blender. C'est tout. Voilà. Texture size, bah là pour le moment il n'y a pas de texture, donc on s'en fout. Non, on s'en fout. Texture size, vous laissez original comme vous l'avez mis, et vous exportez. Voilà, ça c'est si jamais je veux faire avec Blender, d'accord? Après, je peux choisir. Après c'est tout, quoi, en fait, on s'en fout. Hein. Après, moi, ce qui passe, là, ce que je vais faire maintenant, c'est je vous remontre, exporter, save e-avatar. Alien, Acuri, donc là je vais le mettre dans un dossier El Diablo, non il est là. Alien, Acuri, fini. Voilà, c'est iAvatar enregistré. Ça c'est fait. Je suis dans iClone, donc je vais dans File, Importer. Je cherche Alien, Acuri, fini. Il est là. Ici, ouvrir. Et ben voilà, j'ai mon alien, mais avant de le faire bouger, on va dans matériel, on sait du PBR, on met la diffuse color en full white, on va lui mettre sa texture quand même, qu'on n'est pas fait pour rien. Bon, c'est pas grand chose, mais c'est déjà ça. Metallic, base color, mixed AO, normal OpenGL, et c'est le normal map. Et on a notre alien qui est là, impeccable. Ben voilà, il manque plus que le rig facial. Alors ça par contre on est obligé de, comme je vous ai montré, vous êtes obligé de exporter FBX. Vous choisissez votre logiciel de 3D, donc là à mon avis pour la plupart d'entre nous ça va être Blender. Et après dans Blender vous l'importez en format, je vais vous montrer vite fait, je vais pas le faire parce que ça va être trop long. Donc ce que je vais faire c'est, on va dire Blender, voilà, je fais exporter. Ok, je vais faire Alien Acurig Blender, sauvegarder en tant qu'FBX, ça c'est fait. Donc là je peux fermer, attendez, avant de fermer, on va tester l'animation du personnage déjà, ok, hein, parce que quand même, donc on va lui faire faire, on va faire danser, bah ouais, pourquoi pas, motion, ici, alors, la danse, Mockup Studio Evolution 1990. Qu'est-ce qu'on a? Un truc sympa pour un gars. Enfin, c'est un gars, on sait pas, hein. C'est un alien. Non, ça fait un peu. Gundam Style. Voilà. Allez. Ça donne quoi? Et ben voilà. Vous avez vu la vitesse, enfin. La vidéo est longue, mais vous avez vu la vitesse quand même à laquelle vous faites ça. Non, c'est pas mal, franchement. Ça, il y a Mixamo. Voilà. Vous pouvez faire ça aussi sur Mixamo, gratuitement, bien entendu. Mais là, Acurig, il est gratuit aussi. Donc autant en profiter. Parce que j'ai l'impression qu'il est mieux fichu que Mixamo. Et en plus de ça, vous l'installez sur votre PC. Ça veut dire qu'il est dans votre machine. C'est pas mal. Vous savez quoi? Je vais le garder. Je garde ce logiciel parce que moi, ça me plaît. Ça me plaît, je le mets ici, là, à côté de tout ce qu'il y a avec l'homme. Je vais le garder parce que je pense que je vais pouvoir même bien m'amuser parce que j'ai pour projet de faire un petit robot et je savais pas comment faire les bones. Et bah là, je pense que pour que ça rentre bien dans avec l'homme, bah, je pense que c'est bon. J'ai la solution. Oh que oui. Ouais, je pense que j'ai la solution. Non, franchement, il n'y a pas une autre danse qui dure un petit peu plus longtemps. Tiens ça. Vas-y, montre-nous. Allez. Ah ah, c'est bien quand même. Non, c'est stylé. Mon personnage est pas beau. Hein. Mais bon. J'ai fait ce que je pouvais en peu de temps. Voilà. Non mais c'est stylé, franchement. Ça, Acurig, j'aime bien. C'est même. Ouais, franchement, c'est plus facile à utiliser que le logiciel de Mixamo. Ouais. Et puis là, au moins, ça fait plaisir parce que c'est gratuit, c'est offert. Après, je sais pas si ça va rester gratuit tout le temps, donc si vous pouvez le prendre, prenez-le. On sait jamais. Et puis, bah voilà, après, ils rajoutent. Peut-être que par la suite, ils rajouteront des options de rig facial. Aucune idée.
Il y a des fortes chances. Donc là, j'ai sauvegardé mon alien dans mon version FBX Blender. Donc si jamais vous voulez, vous allez aller dans EU Blender. Il est là. Donc si jamais vous êtes bricoleur, bidouilleur, vous allez dans File, dans Blender, importer FBX. Vous choisissez Acquiring Blender, importer. Voilà, vous avez votre personnage entièrement bonnet qui est ici. Donc là, il suffit d'aller dans ça, là. Data, Viewport Display, In Front. Donc vous voyez, vous avez tous les bones qui ont été faits exprès pour... Ah bah si, regardez, il a des... Attendez, je me suis trompé. Regardez, il a des... Si, il a des bones, il a les yeux. C'est quoi ça? Ça, c'est le cou, ça, c'est la tête, ça doit être la langue. Ça doit être les... Ah si, il a... Non, il a déjà des bones. Il a des bones faciaux. Alors, là, je ne vais pas pouvoir vous montrer parce que je n'ai pas fait d'yeux, je n'ai pas fait de nez, je n'ai pas fait de bouche. Mais il a quand même... Ah si, non, il a quand même... Si, il est complet. Non, il dit des conneries, il a des bones faciaux. Bon, bah, c'est bon à savoir. Ok, pas de souci. Bon, bah, du coup, je ferme Blender, comme ça, vous avez vu. C'est la première fois que je testais ce machin. Et franchement, j'en suis bien content. Donc c'est ça, un Keurig, super stylé. Franchement, c'est super stylé. Vous pouvez l'uploader sur votre compte ActorCore. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Ça marche comment? Je vais dans Actor. Je regarde, hein, je regarde en même temps, je ne sais pas comment ça marche. Popular, My Rigged Actor, ça doit être dans ça. Voilà, c'est ça. Ah bah oui, c'est ça. Vous allez dans, vous êtes connecté, vous allez dans Actor. My Rigged Actor, il va arriver ici. Bah voilà, c'est ça en fait. Hein. On va tester. Allez, on teste. Upload to Actor Core. Donc là, il est en train de l'envoyer sur le site d'Actor Core, sur mon compte à moi. Alors, je pense qu'on peut le partager avec la communauté. À mon avis, il y a 30 chances. Bio, Vislink, blablabla. J'ai pas besoin, j'ai vu où c'était rangé. Donc c'est ici, je rafraîchis la page. Il est là, il apparaît là. Voilà, je fais un clic droit dessus, non, je fais comment? Désolé. Il est là, et on peut le renommer ou pas? Je sais pas comment on renomme ce truc-là. Double clic, non? Non, aucune idée. Si je retourne dans ça, File, ah, Save Acquiring Data, je pense que c'est dans ça. Ouais, ça doit être dans ça. Edit. Ouais. Et ou alors, je dois peut-être pouvoir le renommer d'une autre manière, mais je sais pas où. Aucune idée d'où je dois aller pour renommer ce machin. Si, c'est ça. Hein. C'est File, Save, Acquiring. Ouais, si, c'est ça. Normalement, c'est ça. Ok. Bon, bah, il est là. Comment je fais pour le supprimer? Preview. My Rigged Actor, si je vais dessus, je fais comment pour le retirer de là? J'en ai plus besoin. Là. Setting? Non. Ah, vous pouvez le retélécharger, donc il n'est pas perdu en fait. D'accord. Au moins, c'est, vous avez une sorte de cloud. Vous avez une cloud de vos créations en ligne en fait. Ouais. Alors, je sais pas combien vous pouvez en sauvegarder, mais c'est pas mal. Alors, par contre, je sais pas s'il est partageable avec la communauté ou s'il est vraiment privé qu'avec vous. C'est peut-être ici? Non. Comment je fais pour supprimer? Si je veux le effacer, je fais comment? Aucune idée. Un clic droit... Non, bah non, je suis con, c'est pas mon PC, on est sur Internet, là, donc non, ça ne marchera pas. Je sais pas. Si je vais sur Inventaire, voilà, ça doit être dans ça. Non. Bah, c'est quoi? C'était des machins gratuits? Non, bah je sais pas. Aucune idée, acteur. My Rigged Actor. Alors, aucune idée de comment je peux faire pour supprimer ça. Ou alors, il faut réécrire par-dessus. Non, c'est quoi ça? Aucune idée. Alors, ah, on peut appliquer une texture apparemment, non? Ah non, c'est la luminosité, d'accord. Ça, c'est pour... ouais. Si, c'est pour voir comment ça rend avec telle ou telle chose. Ok. Ok. Bah, je sais pas.
Il doit y avoir un moyen de supprimer ça. Mais bon, je vais le laisser, moi ça coûte rien. Voilà. Donc vous avez vu à quoi ressemblait Actor Core à Keurig. Bah c'est pas mal, franchement c'est pas mal. Donc là je vais le fermer. Voulez-vous sauvegarder? Non. Non, non, c'est bon parce qu'il est en ligne de toute manière. Et puis il a été transformé en personnage directement utilisable dans iClone. Et directement rigué. Impeccable. J'aimerais juste voir quelque chose ici parce qu'apparemment il y a des bones faciaux. Donc je vais voir vite fait modifier. Animation. Face puppet. D'accord. On va essayer voir si jamais ça me fait bouger quelque chose sur la tête. Pour au moins on sera sûr si jamais il y a des bones. Donc là je suis sur les yeux. Alors non, c'est pas face puppet, c'est face key plutôt. Oui. Donc là je vais prendre les deux yeux. Voilà, on voit pas parce que bon bah il a pas d'œil. Ok. Bon. Ok. Si j'ai fait fermer les yeux, est-ce que ça va faire bouger quelque chose? Non. Ouvrir la bouche. Non, non, il n'y a pas de bouche. Expression. Bon, je teste, on sait jamais. Je vais voir s'il y a quelque chose qui bouge. Non, bah non, bah là, bah de toute façon, c'est vrai, c'est, ça risque pas de bouger, il n'y a rien. Mais enfin, bref. Au moins, pour ceux qui veulent s'amuser à faire des robots, des machins comme ça, ou des personnages, même des personnages mieux faits, vachement bien faits, vous pouvez, hein. Il y a de quoi faire quand même. C'est stylé, j'aime bien. Et bien, vous savez quoi, je vais faire un rendu de cette vidéo-là, et ça sera la vidéo d'introduction pour ce tuto. Et voilà. Bon, bah merci d'avoir regardé cette vidéo, et puis amusez-vous bien avec Actor Core à Keurig. A plus.